Bonjour mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous voir et vous revoir sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre guidance qui est de ce second semestre 2020 qui est en fait, si vous voulez, une ouverture sur ce qui pourrait se passer d'un point de vue énergétique, tout simplement parce qu'il y a des situations, des énergies qui ne peuvent pas se résoudre ou on ne peut pas y répondre sur un claquement de doigts. Donc, il convient, si vous voulez, de voir les grandes tendances, la découverte, si vous voulez, des énergies telles qu'elles vont apparaître de ce mois de juillet jusqu'à ce mois de décembre 2020. Donc, pour le tirage général, je vous propose le tarot des 78 portes. Et pour le tarot sentimental, c'est le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Alors, comment ça se traduit pour vous? Vous avez une arcane majeure, qui est l'arcane 21, qui est renversé. Ceci dit, vous avez quand même beaucoup de force en vous, puisque vous avez la roi de bâton, la roi de coupe, qui est la roi de bâton qui sort deux fois. Donc on voit effectivement que votre énergie, si vous voulez, votre aspiration du moment, et c'est ce qui va vous guider sur tous ces six mois, il y a une forme d'autorité pragmatique en vous sur ce mois de juillet. Alors vous avez peut-être aussi une pensée pour une personne qui serait d'un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, mais c'est avec une forme de sévérité si vous voulez. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a l'expérience de la vie, c'est une personne sur qui on peut compter dans la mesure où on sait effectivement qu'elle sait ce qu'il faut faire pour réussir dans sa vie, qui s'est mis en marche, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup mûri, qui a une forme de sagesse, mais c'est aussi une personne qui est autoritaire, sévère, justement parce qu'elle a l'expérience de la vie. On n'est pas autoritaire ou sévère comme ça, gratuitement. Non, on l'est parce que dans notre vie, on a effectivement un vécu qui nous permet de penser que les situations font qu'il faut impérativement aller dans un sens ou dans un autre. C'est une carte aussi qui doit dire que nous devons impérativement s'ouvrir l'esprit vers la nouveauté. Vous voyez? Donc, est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? C'est bien possible. Vous avez certainement du vécu, vous êtes affirmé dans votre vie, et puis là, apparemment, on peut vous inviter à faire quelque chose de nouveau. Alors, d'où vous venez? Vous venez d'une nouvelle relation amoureuse. D'un point de vue général, la nouvelle relation amoureuse, mais enfin on parle bien d'un général, c'est une nouvelle relation, c'est une relation existante qui se renforce, c'est aussi une naissance, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais surtout d'extrêmement bienveillant pour vous-même et éventuellement pour l'autre. Alors, est-ce que c'est cette relation-là que vous avez rencontrée, naissante, qui fait de vous qui vous donne cette énergie de feu, qui vous donne cette force, cette assise, cette puissance physique, j'ai bien envie de dire oui. Ou est-ce que cette nouvelle relation, c'est ce roi de coupe qui vous donne l'envie de ne croire qu'en cette personne? C'est votre attente, cette personne-là, c'est votre état d'esprit, voyez. C'est cette personne, c'est à cette personne-là que vous voulez ressembler. C'est possible. En tout cas, votre passé fait votre présent. On est bien d'accord. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Alors, il y a quand même des conseils et des démarches à accomplir. C'est la 5 de denier. Alors, vous n'êtes pas les seuls, mes amis Sagittaires, à sortir la 5 de denier en conseil et en démarche. La 5 de denier, on parle alors ici de l'assise matérielle, de l'assise financière. Et il semble nécessaire pour vous d'aller chercher de l'aide. Pourquoi vous iriez chercher de l'aide? Soit vous avez besoin de faire un emprunt, d'asseoir, d'avoir une certaine stabilité, une certaine aisance, qui vous avez peut-être été mis à mal avec ce qui s'est passé sur ce printemps, soit vous avez des projets grandioses, hein, puisque vous avez cette roi de bâton et que vous êtes affirmé cette nouvelle relation, si c'est une naissance, vous avez peut-être envie d'agrandir la maison, et alors on vous propose de faire un prêt. Soit vous allez demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider financièrement, mais aussi ça peut être une aide médicale. Donc pour certains Sagittaires, on va dire, de faire attention à leur santé corporelle, et pour d'autres de dire, ben, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, le conseil, c'est aller demander de l'aide
à une personne qui soit suffisamment sage pour vous guider. Alors, d'un point de vue extérieur, vous n'êtes pas seul puisque vous avez la roi de coupe. La roi de coupe, c'est si vous voulez une très belle énergie émotive d'une personne qui a vécu d'un point de vue amoureux, qui est bienveillant et qui n'a pas besoin, si vous voulez, des autres pour aimer, puisqu'il s'aime tout seul, si vous voulez. C'est une personne qui a confiance en elle, qui a beaucoup de poésie dans sa tête, qui est romantique, et puis qui est rigolote, si vous voulez, qui raconte des farces, qui fait rire. Enfin, c'est quelqu'un qui amuse, voyez, c'est ça la roi de coupe. Et cette roi de coupe peut traduire un signe d'eau que sont le poisson, le cancer et... Poisson, cancer et scorpion. Et si vous voulez, dans votre environnement-là, cette personne-là peut vous apporter beaucoup de bien-être et une nouvelle façon de voir les choses qui vous invite à vous amuser. On peut vous inviter à vous amuser, mes amis sagittaires, sur les 6 prochains mois, ou peut-être que vous allez faire une rencontre d'une personne d'un signe d'eau, mais en tout cas, c'est quelque chose de très agréable ce que vous vivez autour de vous. Vous êtes effectivement dans une démarche de relationnel, c'est important pour vous. Alors, le fait que vous soyez dans cette démarche relationnelle, et on parle bien d'un point de vue général, hein, peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, peut-être que vous avez des nouveaux projets, de l'aide qui vous est apportée pour faire des projets ambitieux, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, on me dit qu'à court terme, c'est une réussite. Avec la 6 de bâton, vous allez réaliser vos projets avec beaucoup de succès, vous allez avoir la reconnaissance de vos pairs, et vous allez être applaudi de tout ce que vous allez entreprendre. Donc c'est quand même une très 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 jolie carte. Et effectivement, on a envie de croire que quand on a fait une nouvelle rencontre, qu'on est soi-même forgé, autoritaire et où on sait ce que l'on veut, il suffit d'un simple petit coup de pouce, et à la fois émotif et aussi financier et corporel, peut-être une aide médicale qui ne serait que passagère, pour nous permettre de retrouver toutes nos forces et nous permettre effectivement de retrouver cette stabilité, cette aisance, ce succès qui est mérité. Disons-le clairement, c'est mérité, ça va vous apporter beaucoup de joie. Alors, quelle est l'évolution de tout ceci à long terme? Eh bien, on ne sait pas trop, parce que avec cette 2 de deniers, on voit que vous avez littéralement envie, ou vous allez y aller, vous allez plonger dans l'inconnu. Vous êtes encore dans cet état d'esprit-là où vous avez envie de quelque chose de fluide, de renouveau, de doux, d'expiègle. Et peut-être que vous avez des projets qui seront bien menés à la condition que vous soyez bien guidé, voyez, que vous êtes bien accompagné. Vous pourriez aller dans cette aventure avec un parfait étranger parce que vous avez vraiment envie de faire quelque chose de nouveau et surtout de vous mettre en œuvre pour asseoir une matérialité qui vous caractérise, si j'ose dire, voyez. Donc c'est le saut dans l'inconnu et c'est l'invitation à ce saut dans l'inconnu parce que c'est quelque chose de jovial, donc un nouveau projet qui se met en place. Voilà comment ça se traduit d'un point de vue général sur ces 6 prochains mois. Parlons maintenant d'un point de vue amoureux. D'un point de vue amoureux, on retrouve dans le passé ce roi de bâton. Tiens donc, ce chef, cette personne expérimentée, elle arrive là, comme par hasard. Alors que c'est votre présent, votre énergie du présent, en même temps, on voit que c'est le passé d'un point de vue amoureux. À vous de me dire si ce roi de bâton, c'est vous-même, ou si ce roi de bâton, c'est une personne de feu à laquelle vous pensez, Sagittaire, Lion, Bélier, et qui va faire partie de votre passé amoureux. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est votre passé amoureux, il n'empêche que vous garderez l'énergie, vous allez positiver la relation. On est bien d'accord. Ce n'est pas négatif du tout dans votre état d'esprit. Non, vous allez vous appuyer sur ce que cette personne vous a apporté pour le mettre dans votre présent à vous. Voilà comment moi je vois les choses. Il n'empêche que dans votre présent, il y a la 5 de coupe. Aïe, aïe, aïe. La 5 de coupe, il y a un conflit dans la relation. Et là, on est vraiment dans la relation. Il y aura des triangulaires, il y a des séparations, il y a des disputes, il y a de la brouille dans le ménage. On casse la vaisselle avec la 5 de coupe. On en a ras la casquette et on n'a plus trop confiance en l'autre. Certains, vous voyez, on voit bien cette carte, hein, elle est très parlante d'elle-même. Il y a une forme de trahison, vous voyez, on a ce sentiment de ne plus être à sa place dans son couple. Alors, est-ce que ça va vous démonter tout ça?
J'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non parce que vous êtes vous dans une telle énergie de feu, hein, mes amis Sagittaires, que vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, dans un futur proche, c'est celui qui met en place beaucoup de créativité et beaucoup de magie pour dire d'arriver à obtenir ce qu'il veut. Pour moi, c'est l'artiste, vous voyez, la 3 de denier. C'est vraiment le personnage qui, vous, si vous voulez, qui est adroit, qui est habile, qui se spécialise, qui va dans l'art. Alors pour ceux qui vont effectivement se séparer, j'ai envie de vous dire, vous allez vous retrouver à lire, à peindre, à vous recentrer sur quelque chose de créatif, à faire du jardin, à faire des fleurs. Vous allez peaufiner, si vous voulez, tout ça, parce que vous savez très bien qu'en peaufinant votre art, vous allez vous ouvrir d'autres portes. Et c'est vrai que le Sagittaire, c'est quand même un des signes complets d'un point de vue de la sagesse, et il ne se laisse pas abattre aussi facilement que ça, le Sagittaire, hein, même s'il est blessé. Toutefois, et on va surveiller votre terrain amoureux sur les 6 prochains mois, vous avez la carte 21, qui est la carte de l'unité. Je la mets à l'endroit pour vous la montrer, qui est une très jolie carte, puisqu'elle traduit en temps ordinaire l'accomplissement, la réussite, un cycle, un aboutissement de cycle extraordinaire. Toutefois, elle est tombée retournée. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est retourné? Eh bien, ça traduit une forme d'échec, ou plutôt un désir erroné de la perfection. Ce que vous aviez cru parfait ne l'était pas, et peut-être que certains Sagittaires vont se sentir incomplets dans la relation amoureuse. Peut-être que c'est vous, les amis Sagittaires, qui ne vous y retrouvez plus dans ce couple, et vous allez peut-être effectivement être dans la tension amoureuse. Enfin, ça ressort depuis un petit moment, vous voyez ça sur votre tirage, et j'ai l'impression que ce ne sera pas encore fini. Alors, on est quand même dans une fin de cycle, hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, les problèmes amoureux que vous auriez pu rencontrer, il faudra attendre à minima décembre, voire janvier ou février 2021, avant de reprendre un nouveau cycle, d'accord? Bon, il y a quand même l'as de coupe, hein. Donc on voit qu'il y a de la relation dans votre général, ça peut être aussi, pardon, des enfants, ça peut créer certaines tensions, ça peut créer une forme de déstabilisation émotionnelle chez vous, mes amis Sagittaires, mais à mon avis, on est aussi à la fin d'un cycle, donc si cette fin de cycle-là n'est pas arrivée à son terme en décembre par rapport à vos difficultés amoureuses, il faut espérer que ça reprenne au mois de janvier, février pour un renouveau, parce que quand même, avec cette 2 de denier, vous allez sauter dans l'inconnu, à mon avis, à long terme. Donc voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous invite à aller voir votre tirage général et sentimental sur YouTube, et éventuellement son approfondissement sur Vimeo si ça vous parle. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour votre guidance générale et sentimentale du mois d'août. Et en attendant, portez-vous bien, aimez-vous et prenez soin de vous. À très bientôt, mes amis Sagittaires. Bisous, bisous.